Bonjour à tous, bienvenue sur LanguageCraft pour une nouvelle vidéo de premières impressions sur Gunpoint. C'est un jeu très particulier, vous avez le nom en haut. Alors, vous allez avoir ce message tout le long parce que c'est a priori la dernière version en bêta avant la sortie officielle du jeu. Et donc du coup, bah, il s'assure que personne ne peut le faire passer pour le vrai jeu. De la même façon, je vais sauter tous les éléments de l'histoire. Ça fait partie de l'autorisation de publier des vidéos dessus. La musique derrière, je sais pas si je pourrais tout vous faire écouter, mais elle est vraiment géniale. Donc moi, j'ai terminé le jeu. Vous voyez que là, j'ai fini tous les trucs. C'est quoi ça, les badges? Alors voilà, je commence direct. Hein. Alors, voilà le principe, c'est que vous êtes ce petit mec et on dirait que ah ça c'est une partie que j'avais pas du tout explorée. Et vous voyez quand vous faites ça, donc ça moi j'ai juste eu à ça c'est la molette de la souris. Vous avez un truc, enfin une vision assez bizarre qui vous permet de changer. Par exemple ça cet interrupteur là, je me dis j'ai pas envie qu'il contrôle. J'ai envie que à la place, je sais pas moi, il ouvre cette porte là. Et donc du coup, quand j'appuierai ça, ou qui que ce soit d'autre d'ailleurs, quand quelqu'un appuiera là-dessus, ça changera, ça fera plus la même chose. Alors, là je sais pas trop quel est l'intérêt, enfin ce que je suis censé faire, mais a priori j'ai pas besoin, alors voilà, là c'est des vitres, hop. Très bien. Donc ouais, je suis désolé, tout ce qui est de l'histoire, je le saute. Ça et ça, c'est des vitres, et donc je peux sauter à travers, mais je sais pas si j'ai des points en plus, si je le fais plus discrètement. Alors, en théorie, c'est tout ce que j'avais à faire, c'était mon objectif, donc on va ressortir. Je suis étonné qu'il n'y ait pas eu de garde. Hop. A plus. Donc ouais, niveau temps, c'est pas mal. Donc, soit. Encore. Ah d'accord, donc ça c'était tout simplement la première... Ah d'accord, elles sont en dessous les missions. Ok, donc ça c'était la première mission. Et donc là, ça c'est ma note. Et ça c'est les badges que j'ai eu. Donc là je les ai tous eus. Alors on va tester celle-là. Si j'arrive à faire mieux. Hop. Hop. Paf. Hop. Tac. Voilà, ça c'est fait. Alors là, je me dis, je pense qu'il y aurait moyen de le faire sans faire de mal à qui que ce soit. Et du coup, là, je ne vais pas avoir le truc gentleman, je pense. Donc j'ai eu non-lethal, ninja... Ah. Alors on va retenter ça pour voir si j'arrive à le faire sans faire de mal à qui que ce soit. Alors comment est-ce que je pourrais le faire? Ah bah je sais pas si je peux en fait. Lui je pense pas pouvoir. Paf. Et lui peut-être. Hop. Merde. Ouais. Bon. Pas réussi. Bon, c'est pas grave. Donc, visiblement, on ne peut pas... Alors... non. Abort mission. Voilà. Donc, soit... Ensuite, on a une troisième. Donc là, sans l'histoire, ça enlève vachement au jeu. Moi, je vous dis que l'histoire est géniale. Réellement, je m'y attendais pas du tout. Il y a plein de subtilités... l'histoire est assez passionnante et surtout vous avez le choix. Il y a beaucoup de choses où tout simplement vous avez beaucoup de choix sur ce que vous voulez faire et ça change la fin du jeu, mais également genre à la fin, donc allez voir sur Twitter peut-être, vous pourrez retrouver en fait à la fin il y a un tout petit truc genre qui fait que en fait votre personnage qui est donc un espion mais à son propre compte
à un blog, et du coup, il, voilà, là, vous, vous rédigez en gros son entrée pour son blog. Et oh non, je sais, regardez. Ça, je vais l'attacher à ça, donc c'est une prise, et... et donc, du coup, voilà, la fin, ça, ça, ça change même ce que lui va écrire, ça change qui... Je sais pas si ça change qui sera le méchant, mais en tout cas, ça change qui vous allez... qui vous allez attaquer à la fin, si vous voulez. Donc, il y a quoi? Il y a une trentaine de missions, donc... donc là, les premières sont très très rapides. Hein. Je crois que je suis à celle-là. Ouais, 3-4. Et mais là, je l'ai fait beaucoup. Enfin, déjà, ne serait-ce qu'en lisant le truc, on prend plus notre temps. Yep. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Ah, et donc, je refais le truc, mais je garde les gadgets que j'avais. Ah, c'est intéressant, ça. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Première chose à faire, je pense que ça va être... Lui, regarde par là... D'éteindre la lumière... Donc, qu'est-ce qui se passe si je fais ça? Boum. Ensuite, maintenant... Ah, attendez, si je fais ça... Regardez... Et... Boum. Ah! Voilà. Ah, bah ça y est, je commence à avoir les succès. Avant, je les avais pas. Du coup, qu'est-ce que je peux faire? Lui, je pourrais... Lui, il voit pas dans la nuit, donc je pourrais lui rentrer dedans. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire. Hop! Oh bah! Non, et donc voilà. Donc quand il y a un problème, ça vous fait une sauvegarde, mais... Bah, je suis très très étonné. Alors, comment est-ce qu'on va pouvoir l'attirer, du coup? Est-ce que ça l'attirerait? Ah! Vite, vite, vite! Ah! Bah attendez, là ce que je peux faire c'est... Boum! Voilà, bon je l'ai tué. Ouais d'ailleurs non, j'ai pas envie de le tuer. Vous savez quoi? Donc, on va le reprendre il y a 7 secondes. Ah non, il était déjà mort. On va le reprendre il y a 11 secondes alors? Ok, donc il y a 11 secondes, il était pas encore mort. Hop! Boum, voilà. Donc, au bout de 10 coups de poing comme ça, vous les tuez. Vous avez également un flingue au bout d'un moment. Ah bah d'ailleurs, ouais, je l'ai déjà. Hop. Vu que... En fait, on l'a que vers la fin du jeu, mais moi, vu que j'ai déjà fini le jeu... Alors, lui, on va faire... Hop. Donc, il y a aussi des portables un peu partout dans le jeu. Et donc l'intérêt plus tard c'est que... Mais non mais... Sérieux. L'intérêt c'est que vous allez avoir plusieurs trucs. Voilà. C'est fait. Au bout d'un moment... Non, non, très mauvaise idée. Wow. Ouh. Je sais pas comment j'ai fait mon compte mais... Donc le problème c'est qu'il m'a vu et je l'ai laissé en vie. Alors lui il est relié à... Rien, on va le relier à la porte. Non, vous savez quoi, on va le relier à cette porte là. Hop. Donc comme ça, on prend l'ascenseur. Ah bah de toute façon, j'avais pas encore hacké celui-là. Et... voilà. A plus, bon, c'est pas mal. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que je vais en sauter quelques-uns. Genre, on va aller... Bah tiens, là, j'ai eu qu'un A. Comment ça se fait? Start. Donc là, je suis désolé que vous ratiez toute l'histoire, mais... Tac. Ah, bah voilà, regardez. Donc ça, c'est vert. Et donc, si vous voyez, ça, il est relié à ce qu'il y a ici. Tout ça, c'est vert. Donc, hop, je le hack. Et maintenant, je peux modifier tout ça, mais que entre eux. Donc par exemple, on va voir, je vais arriver ici, donc ça, ça j'ai envie de le relier là, ça j'ai envie de le relier, bah là ouais j'ai envie de le laisser là je pense.
Donc, tac, ça, ça l'ouvre. J'arrive ici. Tac. Oula. Ah, alors. Ouf, je croyais qu'il allait sortir. Bah, qu'est-ce qu'il nous fait ? Ah ! Mais... Ah, donc il faut vraiment que ce soit quand il est dedans, en fait. Ah ! Ok, très bien. Donc ça, c'est comme ça. On prend le jaune. Et le seul interrupteur jaune, c'est ça. Donc, il faut qu'on redescende. Ça, on ouvre la porte. On se fait détecter. Et on peut enfin accéder ici. Nickel. J'ai juste de remarquer qu'ici, il y avait un portable. Il me semble, ouais. Donc ça, les portables, c'est des bouts d'histoire en plus. Et c'est surtout des points en plus. Hop. Et A+, ah, toujours pas. J'arrive pas à l'avoir, le A+. Voilà. Et donc, quoi de plus? Bah moi, je fais un jeu où... Oula. Ah oui, c'est vrai, celui-là, il est plus compliqué d'un coup. Alors, est-ce que... Hop. Donc comme ça, direct, j'ai non seulement... Le rouge, on l'a de base. Là, j'ai aussi le bleu. Donc, je suis obligé de sauter par là. Alors lui, il va pas débarquer. Oh, quoique, il pourrait monter et débarquer par là. Alors, est-ce que je peux faire... Est-ce que c'est une bonne idée, ça? Ah, j'avais pas vu celui-là. Alors, est-ce que je peux faire un petit saut comme... Non. Là, c'est pour casser le verre. En fait, il faut que j'arrive à m'accrocher à la paroi. Hop. Voilà, nickel. Ah ! Oh, j'y étais presque. Attendez. Il y a eu un bug, mais il me semble que j'avais fait la même chose la dernière fois. J'avais eu le même bug. Alors. Ah, comment je vais faire ça maintenant ? Donc, il me faut le doré qui est là. Donc, voyons voir. Pop. Il va falloir que je casse ça, non? Que je tombe. Et voilà, c'est pour ça que là, de temps en temps, vous allez vraiment passer du temps, parce que... Comment ça marche? Lui, il est en violet, donc quoi qu'il arrive, je ne peux pas l'ouvrir. Donc, si je veux qu'il soit ouvert, il faut que je m'arrange pour qu'un garde le fasse pour moi. Ça, je peux l'ouvrir... Ah, il n'y a pas grand-chose en bleu. Alors, on va quand même éteindre ça. Et ouvrir la porte. Ok. Bon, ça suffira pour l'instant. Maintenant, il faut que je trouve un moyen pour que ce mec-là sorte. Il ne voit pas... Alors, il y en a qui voient le dans la nuit. Lui, l'avantage, c'est qu'il ne voit pas dans la nuit. Il faut que je m'arrange pour descendre. Donc je vais quand même devoir casser ça. Oh, ok, d'accord. Hop, ça c'est fait. Est-ce que... Non, lui je peux pas... Bon bah lui il me l'a ouvert, mais il faut pas qu'il puisse revenir en fait. Ah non! Ah non, monsieur! Alors, attendez, là, il va me la rouvrir et je vais m'arranger pour que ça active plus rien. Allez, vas-y. Non? Bon, d'accord. Alors, qu'est-ce que je fais maintenant? Moi, j'ai accès au jaune, donc je vais pouvoir ouvrir ça. Lui, je vais m'en débarrasser parce qu'il commence à me saouler. Ah non, merde, c'est vrai, je peux pas lui faire ça. Ok, bah écoutez, je vais profiter du fait que j'ai mon arme pour... Ah, merde! Pour le tuer. Voilà. Bon, alors en théorie... Pourquoi est-ce qu'il y a un compteur, du coup?
Ah non, je veux pas de compteur. Hop. Oui. Ça, on le hack. Et c'est tout. Ah, j'ai pas du tout utilisé ce qu'il y avait tout en bas, et pourtant, je pense que c'est ce que j'ai utilisé la première fois. Hop. Ah. Ah, 30. Ah, d'accord, c'est pour ça. D'accord, donc ça se tient. La seule autre fois où j'avais utilisé un sniper, enfin le flingue, il y avait un sniper qui m'attendait. D'accord, j'avais pas compris que c'était lié. Ah, c'est vachement intéressant ça. Ok, donc lui, on va attacher ça là. Au cas où, je peux remonter en fait. Hop. Donc voilà, si vous voulez un jeu compliqué comme ça, faut réfléchir et tout. Mais en même temps, enfin je sais pas, j'adore l'aspect visuel, c'est un jeu très très simple. Moi ça faisait très très longtemps que je le suivais. Et en fait la raison pour laquelle j'ai été... c'est bon, j'ai fini oups, merde. La raison pour laquelle je l'ai, c'est que j'ai participé... Enfin j'étais inscrit sur leur truc de... Liste de bêta. Enfin non, liste juste de gens qui sont intéressés. Aïe, t'es sérieux là? C'est lui qui a tiré, il m'a vu passer. Normal. Et du coup, voilà, ils avaient besoin de gens pour essayer, donc ils l'ont envoyé. Allez, alors qu'est-ce qu'on va essayer? Ah, là j'en avais en C. C'est pas bon du tout ça. Ah oui, c'est vrai, celui-là il est intéressant. Alors, celui-là, comment est-ce que je vais monter? Il me semble que je suis obligé de monter par ici. Hop. Voilà, on va faire ça. Oh! Ah, c'est vrai. Alors oui, non, je vais essayer de pas utiliser ce pouvoir-là, parce que je suis pas sans... Enfin, à ce moment-là, je l'ai pas, en théorie. C'est que je peux complètement jarter des portes. Ce qui est marrant, mais... bon. Comment est-ce... Alors, voilà, là il faut que je mette tout en relation. Je veux qu'il éteigne la lumière et que ça ouvre ça quand il sert. Donc il faut que ce soit ça qui éteigne la lumière. Mais pour que ça vienne là, il faut que lui, il ait envie de venir. Donc que ça s'éteigne. Tac. 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 Ok, on va essayer ça. Donc, première chose, c'est lui qui va passer par ici, qui va ouvrir cette porte-là. Hop. Maintenant, on va le désactiver parce qu'on veut qu'elle reste ouverte. Du moins pour l'instant, je pense. Et lui, il va passer par ici. Je peux même changer le... Enfin, genre quand, par exemple, quelqu'un passe par là, ça tire. Et ça a été très utile une fois. Ça, c'est bon, c'est ouvert. Ça va être une alarme. Non, ça, pour l'instant, je vais désactiver. Je veux pas que l'alarme sonne. Allez, grouille-toi. Là. Boum. Voilà, donc lui, il va sortir. Eh, c'est pas la classe, ça. Donc moi, là, je vais tomber. Et... Oh, oh. J'aurais dû le désactiver, ça, j'espère. Ok, donc, tac, alors, comment je... Hop. Ouais. Il m'a vu, lui. Hop. Merde, oh non. Oui, oui, je suis là. Alors du coup, bon, moi, je vais profiter du fait que j'ai mon super pouvoir et boum. Voilà, tant qu'à faire. Vu que je l'ai. Et je suis toujours assez. Ah, c'est parce... Bah. C'est parce que des gens m'ont vu, je crois. Bon, c'est pas grave, je suis nul. Là, il y en a un autre de C. Et donc on va faire cette mission, là on va s'arrêter, je pense que ça vous a donné une bonne idée de la chose, je veux pas trop vous spoiler. Oh non, il est dur celui-là, celui avec les trois immeubles. Ah non, que deux. ça vous donne une bonne idée de la chose et... Ah ouais, c'est celui où il y a lui là, donc...
Je peux essayer de faire ça. Et puis dès qu'il a le dos tourné, kapam. Mais t'es sérieux là? Ah bah oui, j'ai oublié de le. Ouais. Ah bah. Bon bah ça, oui, c'est efficace. Alors maintenant, je veux qu'il ouvre celle-là. Ça c'est en vert, donc je peux pas encore y toucher. Ah, c'est en vert, je peux pas encore y toucher. C'est où le truc vert? Il est là-haut. Ça fait pas réagir, ok. Aïe. Bon, visiblement, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Ah, voilà, celui-là, c'est un des mecs qui voit dans le noir. Comment est-ce que j'avais fait? Bah, en vrai, est-ce que si je fais... Non, j'ai pas envie d'utiliser mon pouvoir cheaté. Je suis pas censé l'avoir, donc là, il va se retourner parce qu'il y a l'ascenseur, mais si je le fais très rapidement, genre, poum. Ah. Donc, c'était bien, sauf que... Ah, mais... Voilà. Donc ça, je le prends. Ça, je le prends. J'ai quand même envie d'aller tout en haut parce qu'il y a mes objectifs secondaires. Pas assez. Donc ouais, voilà. Là, c'était pas un angle assez bon pour casser. Est-ce que si je fais ça, lui, il va me flinguer? Mais genre... Ah merde, c'était pas fait exprès ça. Donc moi je veux ça. Comment est-ce que je peux faire pour rentrer? Parce que lui, est-ce que je peux essayer ça? Ah, presque. Il y avait de l'idée là. Ah. Allez, rien à foutre, je tente. Mais... Allez. Ok, d'accord, là je me suis fait attraper au vol. Ah mais non, en plus lui c'est un des mecs que je peux... Ah, il m'a eu en plein vol. Bon, je crois que j'avais pas... Ouais, bon, vous savez quoi? Ça me saoule. Ou alors... ouais, non, là, mes super pouvoirs, ils me servent à rien, je crois. Ah, voilà. Ah, oh. Attendez. Ok. Ça c'est fait. Ah, là j'ai du bleu, voilà. Oh non, t'es sérieux, j'ai loupé. Voilà, donc là j'ai accès au bleu. Le bleu, ça je vais appuyer là-dessus. Et ça qui va m'ouvrir cette porte. Ça me semble pas mal, mais ça m'est pas super utile non plus. Alors là, il y a un autre pouvoir qui... Ah, j'ai plus d'électricité. Enfin, j'ai plus d'énergie. Dommage, parce qu'en fait, quand on est en l'air, on peut éviter les bris de verre. Mais là, en l'occurrence... Non, ça suffit. Alors, comment je fais pour le voir? Ah, j'ai oublié de le prendre tout en bas, t'es sérieux? Bon, hop. Allez, boum. Voilà, rien à foutre.
Ok. Ah, mais c'est cet interrupteur-là que je veux. Hop. Aïe. Back. Ah non, mince, c'est vrai, ça utilise le... ça ramène un sniper. Ok, bah c'est pas dramatique, regardez ce que je vais faire. Hop, tac, je hack, très bien, et... Allez, non. Ah. Non. Allez, petit hack. Voilà. Oh, il y avait un truc d'énergie juste là. Ah, c'est pas grave. Oh, A plus, voilà, nickel. Avant, c'était un C. Bon, bah, c'est pas mal. Allez, on va vous en montrer un tout dernier, juste parce que j'adore. Celui-là, il est... on commence à arriver beaucoup plus bas, donc... Donc, il est dur. Oh non, c'est un des super durs, en plus, celui-là, non? Ah non, il y a plein de trucs, mais j'ai ignoré la plupart. Je suis où, moi? Je suis tout en bas. Alors, de mémoire, là, il n'y a rien. Il y a peut-être des... Ouais, il y a un ordinateur portable, là. Est-ce que j'ai absolument besoin de le prendre? Je pense pas, lui. Voilà, maintenant il me voit plus. Ah, mais c'est aussi ma chance de prendre l'escalier. Oh, t'es sérieux. Je me suis bien loupé. Par contre, du coup, lui, je peux... Ah, mais non, je peux... Ah. Oh, ok, d'accord. Alors, vous voyez ce que ça donne quand c'est un petit peu plus avancé. Ah, mais c'est pas possible, ça. Mais... Mais... Bon, tu veux bien bouger, toi? Merci. Non, allez, bouge. Est-ce que je peux y arriver comme ça? Bon, j'en ai marre. Voilà, donc on va recommencer. Fais comme ça. Et ouais, moi j'éteins tout là. Mode gros rageux. Je sais pas si ça va servir à grand chose, mais... Ok, donc là, je vais déclencher l'alarme. Tu veux pas tourner dans l'autre sens, toi? Ah, merci. Non. Oh, t'es sérieux? Bon, voilà, là, il m'a pas vu. Je suis censé... Mince, je suis censé aller là. Voilà. Et du coup, dans chaque mission, il y a également des choix à faire. Bon, j'en parle pas parce que c'est lié à l'histoire. Mais il y a plein de choix à faire sur ce qu'on dit au personnage. C'est... Ouais, toujours c'est... Hein. Eh, je comprends pas. Donc voilà, je ne vous montre vraiment pas la dernière, évidemment. Ce serait... Bah d'ailleurs, j'ai mis un A+, parce que j'ai la classe comme ça. Et j'ai vu quelque chose... non, c'est pas ça que je veux. Dans le menu... Lavoir Editor. Vous pouvez créer vos propres trucs. Je trouve ça assez génial. Oups. Et c'est plutôt pas mal fait, on dirait. Alors du coup... Ah! Ah, ça c'est... Je crois que je pouvais rentrer dedans.
D'accord. Donc voilà, c'est tout simplement. Entrez. Ouais. Je vous recommande de suivre ce jeu, d'y jouer si vous pouvez. Moi, je suis assez fan, je dois dire. Je suis assez fan. Du coup, à très très bientôt. On se retrouve pour les prochains jeux. Mais je vous encourage à regarder celui-là. Moi, ça y est, je suis fan. Je l'ai fini une fois et je vais y rejouer plusieurs fois, je pense. Ah, il n'est pas dans la même direction, je t'en prends dire. Ouais. Et ouais. Ah, voilà, donc ça, c'est un truc derrière. Oh, bah bientôt, moi je vais faire mon propre niveau, je vais vous le soumettre et vous allez prendre trop cher. Fort bien, fort bien. Allez, salut à tous, on se retrouve très très bientôt. Bye bye.